Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 23 décembre, il est quasiment 10h et je vous retrouve pour l'ouverture du 23e Vlogmas. Ça y est, demain c'est Noël, c'est passé beaucoup trop vite et il ne reste plus grand chose à ouvrir, mais je vous retrouve bien évidemment pour commencer par l'ouverture des calendriers de l'Avent et de la dernière carte du calendrier de l'Avent de Lucie. Qui se trouve juste ici et qu'on avait commencé hier un petit peu. Le mot du jour pour le 23, c'est Sakura. Et le 23e paquet se trouve juste là. On dirait une forme de contenant. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, mais on va voir ça tout de suite. Alors, la petite tirette, du coup... Je suis beaucoup trop fière de cette trouvaille made in Japan. Et bah, on va voir ça. Tac, donc ça ressemble à un bol, effectivement. Il est bien protégé. Il a l'air trop mignon. Il est absolument adorable, il y a effectivement des petites fleurs de cerisier au fond et c'est un petit bol. Alors ça, je pense que ça serait très bien pour le matcha, typiquement pour fouetter matcha, parce que ça a l'air d'être à peu près la forme, etc. Donc c'est très bien parce que j'en cherchais depuis longtemps un qui me plairait et j'avais un petit peu de mal à trouver. Et celui-ci est absolument trop mignon. Merci beaucoup Lucie, ça va être parfait pour ça. Je vais tester ça avec grand plaisir, ça va être trop cool. Merci beaucoup. On va passer au calendrier de l'Avent Nuo. Il reste deux numéros du coup, puisque lui s'arrête au 24. Et donc le 23, qui est juste là, et qui est un miroir de poche. Alors c'est pas forcément incroyable, mais c'est pas inutile non plus. Donc écoutez, pourquoi pas. Et voilà, c'en est tout pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du jour. Merci encore Lucie, il est beaucoup trop mignon ce petit bol. Je pense qu'il va être absolument parfait pour le matcha. J'ai hâte de tester ça. Je vais... allez monter le vlog qui doit paraître ce soir, comme ça, ce sera fait, je serai tranquille. Et je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de vous reprendre aujourd'hui parce qu'il faut qu'on fasse les dernières courses pour préparer Noël, etc. Donc ça risque d'être une journée un petit peu chargée, mais j'essaye dans tous les cas de vous reprendre ce soir pour des avancées livresques s'il y en a eu. Et puis le calendrier de l'Avent livresque du jour dans tous les cas. Et si j'ai le temps de vous reprendre avant, ce serait encore mieux. Bref, à tout à l'heure.
reprend beaucoup plus tard, il est 21h30, quelque chose comme ça, et il est grand temps que je conclue ce vlog pour pouvoir le monter ce soir, parce que clairement demain, avec le 24, les préparatifs, tout ça, je n'aurai pas le temps. J'ai deux, trois petites choses à vous dire. La première, c'est que j'ai commencé Beat a Blue de Christine Cashore. J'ai lu 40 pages, hein, donc clairement, c'est pas non plus incroyable, mais j'avais oublié, c'est très con, mais ça faisait un moment que je n'avais pas lu de poche, et j'avais oublié que les pages étaient quand même beaucoup plus rapides à lire, donc ça, c'est toujours agréable. Et malgré tout, ça va me durer un moment, parce qu'encore une fois, il fait 700 pages, mais je vais tâcher d'avancer un petit peu ce soir, et de voir où ça me mène. L'avantage, c'est que les trois tomes de cette trilogie sont relativement indépendants, ça se passe dans le même univers mais pas avec les mêmes personnages, donc j'ai pas trop de difficultés à me plonger dans l'histoire parce que c'est une nouvelle histoire finalement avec deux nouveaux personnages. Il y a des petits trucs un petit peu en mode géopolitique que j'essaie de recaser, mais je pense que ça va pas trop me gêner. Et pour l'instant, le début est plutôt intéressant. On va suivre Beat a Blue, qui est la fille d'un roi Graceling, et en gros dans cet univers les Gracelings c'est des humains, des personnes qui ont des pouvoirs un petit peu particuliers, et ça a à voir avec leurs yeux, je crois qu'ils ont des yeux verrons, quelque chose comme ça si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose qui n'a pas encore été éclairci dans ce tome-ci mais ça va venir je pense. Et la particularité de son père qui était roi, c'est qu'il pouvait convaincre tout le monde de n'importe quoi simplement par la parole, et vous vous en doutez bien, il ne s'en est pas servi à bon escient, et il a été question notamment de relations abusives, de contrôle de population, etc. Donc des choses fort joyeuses. Donc ça, c'est le prologue, et en gros le début de l'histoire, c'est Beat a Blue qui est une jeune reine et qui doit se démerder avec tout le merdier que son père lui a laissé, ce qui n'est pas de tout repos. Donc voilà, c'est là où j'en suis. Je pense que ça va être intéressant en termes, voilà, un petit peu peut-être de politique et d'apprentissage de règne, en termes de post-traumatisme éventuellement, enfin voilà, des choses, des thématiques assez larges. J'avais bien aimé ce qu'avait fait l'autrice dans les précédents romans, j'avais trouvé qu'il y avait des traitements intéressants, donc j'espère que ce sera la même chose pour celui-ci. En tout cas, ça se lit bien, ça se lit vite, et c'est plutôt agréable. La traduction est cool, c'est traduit par Alexandra Maillard, et voilà, ça se lit très bien, et je vais continuer ça tranquillement ce soir. J'aimerais beaucoup continuer celui-ci, que je dis que je vais continuer depuis fort longtemps. J'ai essayé de m'y mettre hier après avoir fini Sol, mais j'étais trop fatiguée, donc j'ai pas réussi à faire grand chose, mais peut-être que ce soir ce sera enfin son heure, je l'espère, on verra bien. En tout cas, il m'attend sagement et il serait temps que je m'y attelle un peu plus sérieusement. Donc ça, c'était pour le petit point lecture. En ce qui concerne la journée, j'essaie de vous faire des petits plans à droite à gauche. Globalement, on a surtout fait les dernières courses pour le repas de Noël et deux trois petites choses. On a plutôt été relativement efficace dans les magasins, et après on a fait un petit peu de cuisine, notamment le sucré, pour qu'il ait bien le temps de prendre pour demain soir, et on fera la deuxième partie je pense demain dans la journée tranquillement. Normalement ça devrait se couper tranquillement puisque tout le monde apporte un petit peu de choses pour le repas de Noël demain soir, donc ça va se faire. Et en ce qui concerne du coup le calendrier de l'Avent livresque du jour, il fallait vous parler de lectures qu'on assume ou n'assumait plus trop a priori. Et alors si vous avez déjà vu certaines de mes vidéos rétrospectives de mes premières années sur Booknode, vous avez vu je pense un vaste éventail de romances contemporaines et ou romances paranormales que je n'assume plus forcément, hein. Il y en a clairement un certain nombre, je pourrais vous en mettre quelques-unes à l'écran que j'ai lues à l'époque parce que je cherchais un petit peu et que c'était des lectures légères, pas prises de tête, qui se lisaient vite, avec une romance sympa, voilà, des personnages sympathiques et que ça s'enchaînait bien. Honnêtement, j'ai passé des bons moments dans la plupart de ces livres et il n'y a pas de choses qui m'ont dérangée à l'époque. Je pense que si je les relisais maintenant, probablement ce serait plus tout à fait la même chose, typiquement en termes de traitement des personnages féminins et du consentement et des relations. Je suis pas certaine que ce soit terrible, mais à l'époque ça m'a pas tant dérangé que ça, et c'est aussi l'évolution des lectures et tout ça qui peut faire que ça change un petit peu. Donc voilà, c'est des lectures que j'assume mais que je ne relirai probablement pas de la même façon, donc quoi, je pense que ça rentre pas trop mal pour cette question. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlogmas. J'ai piqué une ring light à mon père. Je suis désolée pour les reflets dans les lunettes, mais c'est un petit peu mieux au niveau éclairage et donc qualité de l'image. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais donc conclure ce vlogmas ici. Merci encore une fois de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, même si encore une fois ils sont un petit peu plus courts
pour les derniers jours, mais avec les préparatifs de Noël, j'essaie de passer aussi un petit peu de temps avec ma famille parce que c'est le but du jeu aussi. Donc voilà, j'essaie de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Mais j'espère que ça vous plaît quand même. Merci en tous les cas pour tous vos commentaires trop trop mignons et tous vos retours et de continuer à faire vivre le calendrier de l'Avent sur Instagram, etc. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner vos réponses pour le calendrier de l'Avent livresque du jour, de me parler des livres que vous lisez, si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés dans ce vlog, etc. Je suis bien évidemment toujours preneuse de vos retours. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très très bonne soirée, un excellent réveillon de Noël puisque ce vlog paraîtra le 24 décembre. Joyeux Noël à tous, merci beaucoup d'avoir suivi les vlogmas qui ne sont pas finis puisque je ferai le 24 si j'y arrive autant que possible et le 25. Donc joyeux Noël à tous, profitez bien de vos familles, vos amis, vos repas, vos cadeaux, tout ça. Et excellente soirée et à demain !